Non, tout ça, c'est du. Tout ça sont des paroles, bon, de journalistes. J'ai déjà dit que ce serait un 50-50 avec, pour ma part, c'est pas pour mettre la pression ou pour faire n'importe quoi, mais Yangan a quand même sorti le champion en titre, donc ça, c'est une référence. Et voilà, c'est évidemment un. Pour moi, c'est un avantage. Quand on bat le champion en titre, ça veut dire que c'est un avantage. Le parcours des équipes ne rentre pas en ligne de compte. C'est vrai que Yengen n'a pas une grande expérience de la Oli, mais ça ne l'empêche pas très vite d'être en finale. Donc ça souligne la qualité voilà, de cette équipe. Oui, bien sûr. Et puis, comme Alain l'a souligné, c'est que maintenant, on peut pas parler de favoris ou quoi que ce soit, parce qu'on est au stade de la compétition où il faut se pencher vers mettre l'équipe la plus performante sur le terrain et puis être prêt le jour J, c'est-à-dire demain. Oui, forcément. Ça, c'est les aléas, puisque on débute le championnat et on a fait une préparation adaptée par rapport à un manque de compétition derrière. Donc, voilà, on était en manque d'une grosse préparation au niveau, je pense que, au niveau de la compète, on n'avait pas commencé notre premier match de compétition. Donc, contrairement aux autres qui finissaient. Et derrière, il y a eu toute une préparation adaptée par rapport à ça. Donc il a fallu faire des entraînements assez poussés, voire des fois être à la limite de la compétition. C'est pas évident parce que l'objectif, c'est que les équipes, elles soient dans la compète et elles soient au niveau pour pouvoir justement entamer ces premières phases de poule. C'est là où on a laissé des plumes, d'ailleurs. Parce que voilà, il fallait rechercher avec les tripes et puis le manque de préparation intensive qui nous a fait que derrière on a enchaîné juste après les matchs de poule sur le championnat. Donc forcément aujourd'hui on a ces lacunes-là, c'est les blessures et les méformes de certains. Des joueurs absents, c'est ceux qui ne sont pas sur la liste. Et les joueurs présents, c'est ceux qui seront. C'est la liste qui a été donnée et c'est pour ça qu'on a la liste, elle est assez vaste. On se base sur les 23 et à tout moment, on peut les changer, quoi. Non, il y a. Là, je rejoins Félix sur le fait qu'évidemment, on a des joueurs qui ne sont pas à 100% parce que blessés. Moi, je trouve aberrant que la FIFA nous oblige à donner une liste quasiment en début d'année et puis de ne pas pouvoir y déroger, quoi. Enfin, moi, en tant que technicien, je trouve ça anormal. Voilà. Et donc, une liste de 23 joueurs, si vous avez 5 blessés, ben, vous êtes marron, vous êtes obligé de faire avec ce qui reste. Nous, ça a été le cas un petit peu, notamment sur la première partie de. C'est la première partie des qualifications. Donc. Je trouve pas ça normal, mais avec les gens du football, les dirigeants du football, quels qu'ils soient, que ce soit au niveau de la FIFA, au niveau des fédérations, on s'attend à tout. Voilà, on n'écoute pas. C'est quand même l'essence de ces administrations, c'est quand même de gérer le football, mais ils gèrent le football au niveau des bureaux et non pas au niveau du terrain. Donc je le dis parce que. C'est pas normal qu'on ne puisse pas avoir bénéficié de l'appui de tous nos joueurs qui sont dans l'effectif. Donc après, quand vous êtes entraîneur, vous devez gérer. On vous dit 23. Si vous avez 25 joueurs, il y en a deux qui ne sont pas dans la liste. Ces deux-là, ben, vous ne les voyez plus. Hein. Parce qu'ici, nous, on est des amateurs, on n'est pas des pros. Hein. Donc ces deux-là, vous ne les voyez plus, ils sont déçus, ils s'en vont ailleurs. Et ensuite, quand vous avez des blessés, ben, vous pouvez quasiment pas les changer. Quoi. Oui.
Oui, ils ont joué la demi-finale à 50%, donc ben, on fait avec. Hein. La première fois que Magenta était en finale, moi, j'étais pas là. C'était une autre formule. Il y avait les Australiens. C'était complètement différent. Moi, ça fait 10 ans que je suis là et qu'on participe quasiment tous les ans à la O-League. Avec très peu de chance, nous, on était là pour participer. Puisqu'à l'époque, jusqu'à l'année dernière, on pouvait mettre 10, 15 étrangers. Alors, quand vous aviez de l'argent, évidemment, vous pouviez être sûr de gagner la O-League. C'est ce qui s'est passé. Hein. Pendant 10 ans... C'est les Néo-Z qui ont gagné, à part une fois. Et la fois où ils ont perdu, c'est parce que l'Australien qui est venu prendre le club a fait comme eux, il a acheté des joueurs. On a enfin, l'OFC a rétabli un petit peu les valeurs en limitant les étrangers à 3, plus un étranger océanien. Donc on voit ce que ça donne. Ça donne effectivement un nivellement des valeurs qui permet aux deux clubs calédoniens ben, d'aller en finale. J'espère qu'ils ne vont pas encore changer l'année prochaine, qu'ils ne vont pas encore changer, parce que les formules de la O-League changent tout le temps. Donc j'espère qu'on va rester dans cette configuration-là et qu'on pourra rivaliser. On pourra rivaliser dans le temps, dans la durée. Il ne faut pas que ce soit un coup là, que les Calédoniens soient en finale. Il faut que. Je dirais régulièrement, on soit en demi-finale et avec des chances d'aller en finale. Question pour les deux joueurs. Bertrand, Lucas, vous... Ça va être un match un peu à part, ce Magenta League. Vous avez l'habitude de vous rencontrer en championnat, en coupe. Vous connaissez tous, que ce soit ici sur les terrains avec les clubs, aussi en sélection, vous côtoyez. Comment on aborde ce genre de grand événement quand on sait, quand on connaît l'adversaire à ce point? Bonjour, là c'est pour la parole pour Magenta. Là ça va pas être pareil comme d'habitude, comme si on joue une finale de un championnat ou une finale de coupe. Là c'est un autre enjeu, ça fait que là on va monter d'un niveau, d'un cran au-dessus. C'est vrai que tous les ans on joue sur le haut du tableau, mais là ça va être différent parce que c'est une autre coupe qui est en jeu, et puis ça va être le premier club calédonien qui va porter cette coupe. Ça fait qu'on va prendre ce match différemment que d'habitude. Voilà. La préparation reste toujours la même, que comme si on joue les Néo-Z et tout ça, mais par rapport peut-être sur la concentration, elle va être pas pareil que d'habitude, comme si on joue une coupe. Là, ça va être une autre, c'est un nouveau challenge. Ah, forcément, c'est-à-dire qu'il y a d'autres joueurs qui veulent être titulaires aussi, mais voilà, et puis il y a ceux qui jouent aussi qui veulent garder leur place. Ça fait que c'est vrai qu'il y a un peu plus d'intensité à l'entraînement pour vouloir jouer la finale. On y prépare pour pouvoir aborder ce match-là. C'est sûr que l'enjeu, il est d'un niveau, mais voilà, on va rester encore sur nos pieds. Et puis, les deux clubs se connaissent. Voilà, on se connaît en tant que joueur de la Calédonie, puis en tant que joueur de la sélection. Donc, on se connaît à peu près par cœur. Donc, après, voilà, pour moi, ça sera le niveau, il va être élevé, mais je vois pas comment je vais dire ça. Je vois pas plus qu'un match d'un Magenta Nyengen, quoi, voilà. Est-ce que pour vous aussi, Nyengen a su faire la transition avec cette jeunesse qui arrive derrière, vous les quatre, comment, c'est important pour vous, on suppose, de faire que
cette pression soit positive auprès des jeunes. Oui, oui. Voilà, on essaie de mélanger l'expérience et puis la jeunesse. On essaie, nous, cadre, de transmettre ce qu'on a vécu pour pouvoir pas qu'il y ait la pression au niveau de notre jeunesse. Et puis, voilà. Jouer un match comme... c'est sûr que les matchs ne se ressemblent pas, mais voilà. Il y a ça qui va être au bout. La suite, ça sera la suite, mais on va rester concentré sur le match. Voilà. Non, leurs qualités, on les connaît. Donc, évidemment, il n'y a pas. Je pense que ce que voulait dire probablement Bertrand, c'est qu'il n'y aura pas de surprise dans ce match-là. On sait comment ils jouent, on connaît les joueurs. Les joueurs se connaissent. Nous, les entraîneurs, on connaît les joueurs. Il y en a qui ont joué à Magenta, qui sont à Yengen maintenant. Moi, j'ai eu la sélection, donc j'ai eu le bonheur de coacher Bertrand, par exemple. Donc. Voilà, on se connaît, hein, et évidemment, ça va se jouer sur la concentration, sur beaucoup d'applications. Voilà, c'est un match de foot, donc j'espère que ce sera un beau match de foot, surtout, c'est ça qui est important. Évidemment, celui qui va perdre sera très, très déçu, mais ça, c'est la loi de la compétition. Mais le plus important, c'est qu'on voit un très beau match de foot et qu'on soit au niveau de cette compétition et... Voilà, que ce soit pas, comme je disais tout à l'heure, je veux pas que ce soit perçu comme un accident, que les deux équipes néo-zélandaises aient perdu, et que voilà, on rabaisse notre niveau de performance. Je pense qu'on mérite d'être là et je pense que demain on verra une belle finale. Océanien, il y a vraiment une très très grosse colonne vertébrale avec Rokin et Kane, Paul Kayara, Félix Anso et Bertrand. Donc vraiment des très très gros matchs à chaque fois. Donc, vous allez vérifier de ça quand même. Par rapport aux distances augmentées de Roy, c'est très bien, qui a perdu sur moi. De très bonnes passes aussi. Ah, mais je répète, on se connaît très bien, on connaît nos défauts, nos qualités, donc évidemment on va jouer en fonction de ça. Bertrand est là, je vais prendre le cas de Bertrand, on ne va pas le laisser se balader sur le terrain, hein, forcément. Hein. Voilà. Écoutez, hier on a revu la demi-finale de Yengen. Moi je vois des bons joueurs de foot, des bons manières de ballon, des joueurs qui vont vite devant, un football assez complet je trouve. Moi, je trouve que vous avez, parce que j'entends ça depuis longtemps, vous caricaturez un peu trop vite le style des équipes. Ils jouent la verticalité parce qu'ils ont des joueurs devant qui vont vite, qui demandent la balle, comme Bertrand et Daïté. Ils ont des joueurs qui jouent bien au foot. Donc, voilà, c'est un football, moi, je pense, Yengen, très complet. Ils ne joueront pas demain. C'est... traduit la dernière. Le sens de la question. Ah oui. Oui, oui. Ouais. Sur les 5 matchs. Ouais. Oui, forcément, comme je le disais hier, d'ailleurs je l'avais répondu à cette question, c'est que Magenta comme nous,
on a été obligé de mettre deux objectifs. C'est-à-dire, la Euroleague ne se joue pas comme le championnat. Magenta, comme nous, sommes nourris par rapport aux meilleures équipes océaniennes qu'on a rencontrées. Donc forcément, le jeu a changé. A changé à plusieurs reprises. Et la qualité technique, tactiquement, beaucoup de réflexion. Et jouer sur ses qualités humaines, parce que voilà, c'est en fonction de la préparation, comme je le disais. Mais forcément que ça sera toute une autre finale, aussi bien pour nous que pour Magenta, même si les deux équipes se connaissent. Mais pour moi, il y a une autre valeur qui se met en jeu, c'est la Euroleague. On a affronté toutes les équipes, les meilleures équipes de l'Océanie. Jusqu'à présent, on a, c'est vrai qu'on ne va pas cracher sur le sans faute. Mais je ne peux pas dire aussi que ça a été un hasard. C'est le fruit du travail, comme Magenta aujourd'hui... On arrive à ce stade de la compétition. Et dedans, on est obligé de dire, on laisse un peu le championnat de côté et on s'oriente sur une toute autre compétition qui est de grande envergure et que là, ben, la maîtrise technique, tactique, psychologique, elle va être de rigueur. Quoi. Sans mettre la pression. Parce qu'avant tout, c'est le jeu. C'est le jeu qui va parler. Roy sait, et l'équipe sait ce que Roy a fait l'année dernière. Ce n'était pas le hasard, puisqu'on l'a soutenu dans la démarche qu'il a fait, même si c'est un joueur qu'on en a besoin tous les jours. Mais après, il a su rester à l'intérieur de cette équipe, rester humble. Et c'est ce qui fait les qualités de ses forces aujourd'hui. Et au niveau de cette équipe, même s'il y a un champion du monde qui arrive ou quoi que ce soit, on en prendra conscience, on prendra conscience et exemple. Mais après, les valeurs restent les valeurs, c'est les valeurs humaines. Et ça ne peut pas faire défaut dans une équipe, ça peut donner des conseils entre joueurs, mais s'il conseille l'entraîneur, c'est que l'entraîneur, derrière, il a un hic. Après, il y a le conseil et il y a la discussion. Donc voilà, il y a le dialogue. Donc oui, bien sûr que Roy, d'ailleurs je le félicite encore, puisque nous a montré à nous, les deux clubs qui sont aujourd'hui, c'est pas pour rien. Mais il y a tout un processus qui s'est mis derrière, c'est le travail de l'équipe. Donc voilà. Sans connaître votre plan de jeu à chacun, est-ce que là, le fait que ce soit une finale de Ligue, on se pose davantage de questions et on a pris plus de temps justement à l'établir ce plan de jeu, ou est-ce qu'on dit voilà, on joue notre foot et puis c'est tout, ou est-ce qu'on dit je vais essayer peut-être de faire quelque chose, de surprendre l'adversaire? Ça a été clair rapidement pour vous, et puis, comment vous avez joué pour le moment? C'est comme je le disais, on a été demain on est adversaire, mais on a aussi été spectateur de Magenta quand elle a joué ses matchs de Euroleague. Donc je pense que, enfin je sais pas, mais peut-être Alain vous le dira, mais derrière on a su s'analyser par rapport au niveau où on était. Comme je disais, on était quand même sans me mettre de pression ou sans mettre les chevaux au-dessus. C'est que en tant que technicien, on est obligé de regarder les valeurs du football que l'on produit chaque année. Ici, on est en Nouvelle-Calédonie et ce championnat-là, on le joue chaque année. Du moins, là, on est au bord du terrain avec nos équipes respectives. Et derrière, on a envie de voir plus, de savoir où vraiment on peut, où on en est. Quoi. Bon, c'est pour ça que je disais que demain, on sera adversaire, mais on a été spectateur et supporter aussi, en fonction de notre pays, quoi. De notre pays que l'on... aujourd'hui qu'on défend, quoi. Donc voilà. Vous êtes très vite arrêté sur comment vous avez joué, ou pendant longtemps vous avez essayé de mettre votre réflexion pour la finale de demain? C'est juste ça m'intéresse, je sais pas, j'aurais juste de voir comment vous avez abordé. Ben, l'adversaire aujourd'hui, qui est nos confrères aussi, ils ont joué différemment à chaque match, pour ça.
Donc, dedans, il faut. C'est la question et la solution qu'il faudra trouver demain. Est-ce qu'il va. Il va faire l'amalgame de tout ça et que la mayonnaise, elle va passer. Il va faire. Il va jouer dans différents systèmes. Il va changer. Voilà, c'est le jeu. C'est pourquoi on est là aujourd'hui et puis comment on prépare les finales. Donc ça va être différent. Écoutez, la mise en place du jeu, elle se fait en fonction de la forme des joueurs, de ce qu'on voit, de l'état d'esprit, de la mentalité des joueurs. J'ai essayé, moi, je vais prendre l'exemple du match de poule contre Auckland City, où j'ai essayé d'attendre un peu l'adversaire et on a été tellement nuls que on est revenu à ce qui correspond le plus à la mentalité des joueurs, c'est-à-dire d'aller presser un peu plus haut. Voilà, donc c'est compliqué aussi d'aller contre la nature des joueurs. Donc je pense qu'il faut accompagner ça, évidemment, avec... avec des petites précautions, mais c'est pas un secret de dire qu'on aime bien presser. Probablement que c'est comme ça que ça va se passer. La meilleure manière de vouloir perdre le match, c'est de déjouer. Voilà, donc il faut jouer avec voilà, les principes qui sont les vôtres depuis tout le temps. On n'est pas Barcelone, on n'est pas. Vous avez vu Barcelone hier contre Liverpool, ils ont maintenu leur principe de jeu et ils se sont fait bousculer, ils se sont fait sortir parce qu'ils n'avaient pas l'état d'esprit, me semble-t-il, moi en tout cas. Mais vous ne pouvez pas déjouer et vouloir espérer gagner. Je crois que ce n'est pas possible. Il faut jouer comme vous jouez habituellement. Vous travaillez pour ça à l'entraînement depuis des années. Donc, je crois que Yengen fera pareil, on connaît le jeu de Yengen, ils ne vont pas changer leur façon de jouer. Hein. Donc voilà, Bertrand ne va pas jouer libéraux demain. Donc c'est une évidence qu'il continuera à faire ses appels de balles. Voilà, il demandera les ballons dans la profondeur. Et on sait tout ça, ils ne changeront pas. C'est normal. Oui, ça se joue bien sûr. Évidemment. Oui, mais je crois que demain sera un match très calme parce que les arbitres, c'est pas les arbitres de chez nous. Hein. Donc le Néo-Zélandais, il rigole pas, lui. Hein. C'est un très bon arbitre qui a fait la Coupe du Monde. Donc je pense que les joueurs vont vite comprendre à qui ils ont affaire et donc le match se déroulera dans un très bon esprit. Déjà, ça va être un gros match demain. Donc, comme je disais tout à l'heure, on prépare. Donc, on ne va pas se projeter déjà le match de demain. On est en groupe, donc on a des discussions entre nous. Donc, voilà, pas se mettre déjà la pression parce que ça ne sert à rien. Il ne faut pas déjà jouer le match avant le match. Donc, voilà, déjà bien se préparer, bien... se concentrer. On a encore un entraînement cet après-midi, donc on utilise ça pour pouvoir être prêt pour le match de demain. Donc voilà, je dis, on va pas déjà se projeter dans le match de demain parce que voilà, sinon on va se faire sortir. Voilà, et puis déjà, je pense que ça va être un gros match demain, ça va être un beau match aussi. On va faire pour que ce soit une belle fête demain. Voilà. C'est ce que voilà, moi je souhaite. Et puis, ça sera. Pardon ? Non, c'était peut-être pour conclure aussi là-dessus. Toi, tu as vécu déjà aussi une énorme finale sous la houlette de Alain.
Avec cette finale de Oui, c'est sûr que voilà, ce match-là, ça nous reste toujours en travers de la gorge. Parce que voilà, on a sorti les Néos en demi-finale et puis perdre 1-0 contre les Tahitiens. Ce match-là, on ne va jamais l'oublier. Puis voilà, demain, ça sera une opportunité pour nous de pouvoir savourer une grande compétition comme la Haute Ligue. Parce que voilà. Il y aura des choses derrière, mais déjà fait un gros match demain, ça va être. Ça sera l'essentiel du beau jeu. Et puis, voilà. Nicolas, comment tu vois ça aussi pour le football canadien? Parce qu'on parlait déjà d'une victoire, c'est pas un match à premier week-end. On voit les 17 ans qui sont allés à la Coupe du Monde, on voit maintenant un club qui va aller à cette Coupe du Monde des clubs. Pour vous qui êtes joueur, est-ce que c'est aussi une grosse fierté? C'est vrai que ouais, on voit que ça, notre football il évolue. Ça fait plaisir aussi. Comme, des fois, on sort du pays, par exemple en Nouvelle-Zélande, il y a déjà des gens qui ne savent pas c'est où la Nouvelle-Calédonie. Ça permet un peu de voir, faire montrer notre football un peu dans le monde, surtout d'abord ici au Pacifique. Après, c'est vrai que ça fait que ça. Ça évolue tout doucement, mais ça, sûrement notre football. Là, je suis content parce que voilà, c'est deux clubs calédoniens. Et puis, pour la première fois, il y aura un des deux clubs qui va soulever. Mais là, il faut apprécier cette finale parce que j'espère que ça va être la dernière finale qu'on va jouer. Ce n'est pas donné à tout le monde de jouer une finale de Haute Ligue. Là, je souhaite à les deux clubs que le meilleur gagne. Puis, en essayant de toujours garder la continuité comme ça pour toujours essayer d'arriver à donner des. Surtout pour les enfants qui nous regardent, ça les donne envie de jouer au football, surtout les petits supporters, les ramasseurs de balles, que tu les vois crier après qu'on gagne. Là, c'est juste donner du beau spectacle demain, puis jouer comme si ça va être la dernière finale qu'on va jouer. Puis là, j'encourage encore à la Fédé de donner du plaisir à tous les jeunes là, pour. Pouvoir s'en sortir. Ouais. On va finir là-dessus avec la parole des deux coachs. C'est un premier. Voilà, c'est un peu le message que transmet Lucas. Pour vous aussi, c'est important d'être la vitrine aussi de tous les clubs de Ménonie parce qu'on sentait aussi un essoufflement aussi des clubs calédoniens dans le travail fait au quotidien. Est-ce que c'est important de pouvoir le redonner un coup de boost aussi? Vous, Majata, vous, Yenguel, qui est un peu la vitrine et qui portez un peu leur message. Vous savez, je suis très critique, hein. Donc je vais me calmer, dire que j'ai déjà répondu. Hein. Je pense que c'est le travail de quelques clubs, malheureusement, quelques clubs, dont Yengen, Magenta, Mondor, Wetch, enfin. Il y a quelques clubs qui travaillent bien. Je dis les choses comme elles sont, je pense que la fédération ne donne pas l'exemple. Je vais prendre un point très précis, c'est le problème de l'arbitrage. On a besoin d'arbitres pour jouer au foot. Prendre notre exemple, on est allé à Marais, pas d'arbitre. On est arbitré par trois gens qui ont été très obligeants de nous permettre de jouer. Mais malheureusement, la qualité n'était pas là. Donc, moi, j'en veux pas à ces gens-là, mais je vois qu'au niveau fédéral, on ne fait rien pour la promotion de l'arbitrage. Tu vois, il y a de moins en moins d'arbitres, surtout les arbitres de qualité. Donc, il n'y a pas que le résultat des équipes. Donc ça, c'est le travail des clubs, des entraîneurs, des joueurs. Point final. C'est pas le travail de la fédération. Je suis désolé de dire ça. Si ça ne plaît pas, c'est comme ça. Félix, pour conclure, c'était short, mais important pour les clubs. Je vais encore revenir sur ce que vous demandez à Alain, mais c'est aussi une façon aussi d'amener le football calédonien un peu dans la lumière. Et puis oui, c'est sûr, mais je retiens un peu ce que Michael a dit aussi, c'est pour un joueur, c'est de penser ça aujourd'hui, de penser aux jeunes qui sont autour en tant que ramasseurs de balles, parce que parfois on les prend comme victimes du sujet.
Et puis là, de faire partager ça avec la finale demain, et puis l'enjeu, l'engouement, c'est ce qu'il faudra retenir de positif. Après, c'est vrai que autour d'une table, discuter des problèmes, et puis parce qu'il y en a, hein, et il faut trouver ces solutions-là. Je pense qu'il y aura la place pour le faire, en temps voulu, mais c'est vrai qu'il ne faut pas négliger ça. Et là, vaut mieux le dire des fois quand on est en phase de le dire, c'est-à-dire quand on n'a pas perdu ou on n'a pas gagné, au moins on est neutre en le disant et en le pensant tout haut. Mais voilà, il faut retenir ces choses-là, c'est que demain, il y aura une belle fête du football pour le pays et pour les jeunes. Pour les jeunes, pour le sacrifice des familles, des joueurs et des joueurs qui font dans notre statut amateur par rapport à... On dit que c'est un petit pays, mais quand tu le vis à l'intérieur, par exemple, nous, géographiquement, c'est vaste. Tu tapes parfois plus de 1000 km par week-end, c'est bon. Et donc derrière, ben, ça, on peut pas le négliger. Et puis on se doit de rester positif. Maintenant, se faire entendre, ça sera autre chose. Déjà, on va faire parler le jeu demain. Et puis, que le meilleur gagne. Et on y sera.